Le général Jean-Marie Michel Mokoko, 74 ans, a été remis ce vendredi en prison alors qu'il était soigné depuis un an à l'hôpital militaire de Brazzaville. Tombé malade il y a un an, cet ancien chef d'état-major a été évacué en Turquie où il a reçu des soins en juillet 2020. Depuis son retour dans la capitale congolaise, il était resté interné à l'hôpital militaire. Les autorités gouvernementales et pénitentiaires ne se sont pas encore exprimées sur les raisons de cette réintégration. Candidat malheureux à la présidentielle de 2016, le général Mokoko a été arrêté juste après ce scrutin, officiellement pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes de guerre. Il a ensuite été jugé et condamné en 2018 à 20 ans de travaux forcés.